Alors, je vais vous présenter un petit flingue sympa. Il est dans sa petite mallette. La marque, c'est Swiss Arm. Voilà. Avec des petites cartouches de gaz. Et ça tire des petites billes. Je vais vous montrer ça. Donc, vous avez un petit chargeur avec une 20 coups. Ensuite, on met des petites cartouches à l'intérieur. Cartouches de CO2. Donc, vous dévissez avec la clé BTR. Ensuite, vous prenez une cartouche de CO2 que vous mettez ici. Vous mettez la cartouche ici. Tac. Ensuite, vous resserrez ça, l'embout. Donc là, vous avez l'embout ici. Et vous allez serrer jusqu'à que ça fasse un petit bruit, que ça percute. Ok? Vous allez voir. Voilà. Serrez bien. Ça a percuté. Pas trop quand même. Ensuite, ben vous mettez votre petit chargeur ici, là. Donc en fait, vous bloquez votre chargeur jusque-là. Vous pouvez le mettre à l'envers. Hop. Hop, jusqu'à que vous entendez bien le petit cran. Ici, vous avez une sécurité pour le personne touche le flingue. Ok, pour pas tirer dessus. Donc on enlève la sécurité. Tac. Et on va pouvoir tirer. Vous allez voir la puissance. Elle est quand même au rendez-vous. Et je crois qu'il est encore en vente ce flingue. Alors, je vais essayer de vous faire une petite démonstration de la puissance. Faites gaffe parce que là, je suis quand même assez près. Donc, c'est très puissant. C'est parti. Alors, vous avez 20 coups. Hein. Vous voyez les impacts? Les impacts, ils sont là. On voit bien les différents impacts. Voilà. Parce qu'il y a 20 coups. Là, je vais vous mettre une canette avec le deuxième chargeur. Regardez bien. Ça pète, hein? Vous avez vu un peu? La canette, elle aime pas ça. Voilà, c'était la démonstration. Regardez un peu les impacts. Donc voilà, il s'agit de ce flingue. S'il y en a qui sont intéressés, je peux vous laisser le lien, je vais le mettre sur YouTube. Ça vaut le coup, non? Il est pas cher en plus. Et chargeur, hop, vous avez 20 coups et avec une cartouche de gaz, vous faites à peu près que je dis 4 chargeurs, donc 4 fois 20 coups. Après, vaut mieux la changer, ça perd de la pêche.